Calling CQ, calling DA11. CQ11, meters. UK station 26 division. Whiskey Kilo at 689, calling CQ. I'm a 19 on the CQ Tango 515. QS1 Oui, les 73, l'Alsace du sud-ouest France, la Gironde. India Radio 101. Les 68, les 73, l'Alsace du sud-ouest France, la Gironde. Il se fait surmoduler. C'est pas grave. Ouais, QSL, Dominique, il y a énormément de monde là. Voilà. Golf Tango 119 Dominique 44. C'est tous les départements français qui passent, plus les pays d'Europe. Ça arrive de partout. 10 km au sud de Mulhouse, là, QSL Dominique. Attends, il est pas loin du président du QTH, du président de l'ERCI France. CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en fixe sur le sud-ouest France, département de la Gironde, et qui vous propose un QSY sur le 27595. 27595. Oui, les 73-51 à vous de la part de l'Italie, le Nord-Est France. Les 73-51 à vous de la part de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi. Sur le Sud-Ouest France, le département de la Gironde, Dandy 33 vous souhaite le bonjour. Ok Rémi, là, il n'y a pas de problème. Hein, ici, là, le département. Je ne sais plus si c'est Rémi avec un I ou un Y, moi, pas compris, excusez-moi. Y. Ok. Ok, merci Rémi. Ouais, mais je vous reçois super bien là, Rémi, il n'y a pas de problème, là, le département 33 là. Je dis 57-58 ici, hein, retour. Eh bien, de mon côté, merci pour le report. De mon côté, c'est du 59 plus 10 même. Ça passe vraiment bien. Et c'est vrai que la propague a commencé à se lever ce matin, là, vers 7h30, là, dans ces eaux-là, d'après ce que j'ai pu voir. Et là, ça passe, c'est la cacophonie de tous les côtés. Hein. Ça arrive de partout. Hein. Ça crache de partout, comme on dit, là, c'est dur, ben, tant mieux pour nous. Ce matin, là, j'ai fait Jean-Pierre là, sur le 29, j'ai fait Yann là, sur les deux CM, là, j'ai fait client pour une station d'Italie, là, et du côté de Naples, là, et autrement, ben ouais, il y a pas mal de stations, hein. Bon, de temps en temps, je viens en écoute, et puis, on n'a pas de santé, il y a aussi la bricolapé, hein. On ne peut pas toujours être sur la module non plus. De temps en temps, j'aime le rester.
rester 5 minutes de pause, là, et puis je vais un peu moduler, là, voilà. C'est un heureux, là, très bonne copie, Rémi, hein. Conditions tropiques ici, le Kembo de 570, là, avec l'alimentation en découplage de 50 ampères, là, de chez Mas, avec l'antenne Montova 8, à 6 mètres du sol, là, et puis le PV 130 derrière, là, à 60 mètres de sortie, là, de mon côté, là. Retour, Rémi. Ok, ben ça marche vraiment bien, surtout vu les conditions de trafic. Et bien de mon côté, c'est un petit Yazoo FT450AT. J'ai pas d'Alpha Lima derrière, juste la puissance du poste. Et côté aérien, ben c'est aussi une Mantova 8 qui est à 9 mètres du sol. Voilà. Et au niveau géographique, eh bien je suis sur sur Sainte-Colombe, c'est-à-dire à 12 km à l'est de Saint-Émilion. Voilà, dans un trou. Et vu comment je suis orienté. Pour vous avoir, là je peux compter que sur la propague, car j'ai une colline qui fait le tour de chez moi. Donc là je suis complètement caché. Donc la magie des ondes, la magie de la propague, merci. Là, mais autrement c'est vrai que là c'est vraiment QRO, ça passe vraiment bien. Et quand vous parlez, quand tu parles de bricolage et tout, ben justement, là, juste avant d'être en fréquence, j'étais en train de passer le rotofil. Et c'est en revenant là au QRA, j'entends ça, je me suis dit, tant pis, j'ai d'autres trucs à faire, c'est pas grave, ça attendra, la radio d'abord, hachi. Ah, ok, Rémi, hein. Ouais, ben, quand il y a la propagande, il faut en profiter, hein. Ah, ouais. Oh ben tu dois pas être toi de Jean-Claude, là. Il y a Jean-Claude du côté de Saint-Émilion aussi là. Tu dois l'entendre lui, il est dans ton coin là-haut. Jean-Claude, là la seconde, ça me parle pas. Peut-être, je l'ai peut-être eu en fréquence, c'est possible, mais là, j'avoue que là la seconde, ça me parle pas. Je connais plus les stations qui sont du côté de Bordeaux. Ah ok, non attends, voilà, c'est sur Saint-Émilion là, ça doit être Daniel, je vais te planter là, retour Rémi. Sur le 24 ou le 46, je sais plus, je connais un Daniel, sur Saint-Émilion là, peut-être, là j'avoue qu'à la seconde, là j'ai un peu zappé, hein. Je suis désolé pour le M s'il est en stand-by derrière. J'avoue que là, la seconde, j'ai un petit peu oublié. Ben ok Rémi, hein. Avec ta permission, Rémi, de toute façon, là, Jean-François, là, qui vient de se signaler, là, qui s'est passé au-dessus, là, de mon côté, là. Ben, les bons 73, Jean-François, là, de 14, Golf 010, opération qui, là, département 54, là, en compagnie de Rémi, là, sur Saint-Émilion, là, là, pour lui, là. Ça va être compliqué à entendre. Alors, je sais pas si sur la vidéo on va entendre quelque chose, mais là moi j'ai du mal à sortir. Sur l'Arbonne, on s'est déjà entendu, Jean-François, il n'y a pas de problème. Hein. Sur l'Arbonne, on s'est déjà entendu, il n'y a pas de problème. Je vais redonner sur Rémi, là, pour s'il t'entend, j'espère qu'il va t'entendre, là. Normalement, il devrait, il est pas loin, c'est plus proche que moi, là, du côté, là. Retour, Rémi. Ok, merci pour le retour. Eh bien, le couloir ne veut pas passer de ce côté-là. Il est dans l'autre sens. Je l'entends à peine. C'est bon, Santiago nul. Et radio, un demi-point. Donc, c'est vraiment de la devinette derrière. Au point que je suis même pas sûr d'avoir senti le moment où il a relâché le micro, où il t'a fait un retour de micro, tellement que c'est léger de mon côté. Alors s'il m'entend, les 213-51, lui, de la part de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dandy 33 sur le département de la Gironde. Ouais, Jean-François, je ne sais pas si tu as entendu
RMI, là, Delta Romeo, là, 033, là. Voilà, comment, il t'envoie toutes les bonnes amitiés, hein, si tu le copies pas, parce que lui, il t'entend pas non plus, il t'entend, mais léger, léger, hein. Voilà, Jean-François, je passe le micro, Jean-François. Ah, il y a eu un petit truc au début, là. Ah, ah. Ok, ouais, bah c'est tant mieux. Il y a de la moustache aussi en même temps. Il y a des bonnes ouvertures, on fait pas mal de passages, oui, puis on s'est déjà entendu une paire de pas aussi, hein, sur Narbonne, là, Jean-François. Voilà, Rémi, là, t'as toutes les amitiés de Jean-François, là, parce que lui, c'est pareil, hein, c'est toujours dur à t'entendre aussi, hein. Ouais, voilà, je te fais le QSP, mon cher Rémi. Ok, merci pour le QSP. En plus, on voit que la propague est là. Il y a de la moustache de tous les côtés. C'est... c'est... tu vois, j'ai... à chaque fois que la propague est là, j'ai l'excitation qui est là et du coup, j'en bouffe mes mots, quoi. C'est une impression de renouveau à chaque passage de propague. C'est tout simplement génial, quoi. Ok, ouais, là, des fois il y a des hauts et des bas, la propague elle est bien, d'un coup elle s'estompe et puis après ça repart un peu là. Ouais, tout à l'heure je t'entendais là, après, là, à l'avant-dernier passage, là, je te recevais à 55, tu vois, la propague comment elle descend, d'un coup ça remonte, là, je te recevais là, à 59. Hein. Et puis sur Jean-François, là, ben, ça passe aussi bien là. Jean-François c'est du 57, hein. Voilà Jean-François, de ton côté, retour. Enregistrez le break. Ici à toi, Jean-François, les 373, j'ai dit bon. Ah, Picardie, ça signale. Enregistrez le break. Si, Rémi, là, t'as toutes les 373 de Jean-François, là, qui cuirent, là. Et puis, c'est pareil, je vais refaire un ou deux passages. Je vais râler sur 555 pour faire un ou deux appels, on ne sait jamais, là. On va en profiter un peu, là. Rémi, je te repasse le micro pour la dernière roue, là, retour. Ok, il y a trois breaks derrière. Les 73, la station de la Côte d'Azur, et là, s'il ne m'entend pas, de la part de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, sur le sud-ouest France, le département de la Gironde, pas très loin de Saint-Émilion. Il y a eu trois breaks derrière. J'espère que tu vas les entendre aussi. Alors, retourne le micro sur toi pour faire entrer les breaks, au moins tout du moins ceux que tu arrives à entendre. À l'avant, la station Cabriquet, là, 14 Golf Golf 010, opérateur Guy, là, département 54, la Meurthe-et-Moselle, retour. Ok, 54, ici Charlie Papa, l'opérateur Philippe de la Picardie qui te copie les bons 73. Attends, j'ai entendu Jean-Claude, mais c'est petit de mon côté, hein, je sais pas, là, j'ai retourné sur Rémi, là, mais moi c'est petit, hein, je pense que c'est l'opérateur Jean-Claude, hein. Si je me trompe, il me le redira, là. Mais autrement, je ne repasse le micro, Rémi, parce que moi, de toute façon, je l'entends, mais c'est du 51-52 du côté là. Retour, Rémi. Ok, merci pour le retour. Eh bien, c'est la Picardie. Et tu dis qu'il t'arrive pas fort. De mon côté, j'ai le RCMET qui a fait deux tours dans son slip. Hachi trois coups. Ah, il m'est arrivé à 9+20. C'est du très costaud. Hein. Les 73, la station, j'ai bouffé son prénom. C'est la Picardie, ça, c'est sûr. Il m'a tout cassé, là, ici, au QRA. J'ai l'antenne qui a dû prendre un vent, là, d'un seul coup. Donc, les 73, la station de la Picardie, de la part de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dandy 33 sur le sud-ouest de France. Bye bye. Ok, Rémi, tout ça, bien retourné. De Philippot, voilà, Charlie Papa, l'opérateur Philippot de la Picardie dans 80, à côté de la ville d'Arverac. Et tu m'arrives avec un signal de 9 et une radio de 5-6, on va dire 50 nord. Tu m'arrives très QRO, QSL.
Oui, 100% QSL. Donc la Moselle, c'est pas la Moselle, le Nord-Est France, c'est Philippot. Voilà. Ouais, 100% QSL de mon côté, eh ben ça va, ça passe bien là ce matin. Là, il y a vraiment une super propague. Je vais faire un retour de micro sur le Nord-Est France. Donc c'est Philippot hein, qui est sur que tu as entendu là, très petit là de ton côté. Ok Rémi, il n'y a pas de problème. Ben écoute, je l'entends, mais c'est petit, hein, très petit. Hein. Ben Philippot ici. Enregistrez le break. Oh là, je ne sais pas si tu m'entends. Picardie, ben, c'est vrai que la Picardie, le nord, Pas-de-Calais, tout ça, on a du mal, nous, on a du mal, très du mal d'aller les entendre. Hein. Même sur la région parisienne des Poils, on a très très du mal. Hein. Voilà. Ben écoute Rémi, là, je vais te repasser le micro. Et tu m'enverras toutes les bonnes amitiés à Philippot, là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire un tour de galette, là. Et en attendant, ben, les bonnes continuations de ton côté, Rémi, et puis à Philippot aussi. Allez, viens, viens, passe à 58-59, mon cher Rémi. Bye bye, au plaisir, et puis bon créneau, bye. Kiff à toi, ce copie, les bons frères, à dire. Les bons kiff à toi, la bonne journée, si tu m'entends. À toi, Rémi. Les 73 à toi, bon QSO, bon contact. Philippot, il y a eu un autre break derrière. Alors je sais pas si tu l'as entendu. Avec ta permission, je vais le faire entrer en avant le break. Ok Philippe de Lille en mobile. Eh bien j'ai un peu de QRN, surtout de la moustache de mon côté, eh bien, ça m'arrive quand même relativement bien. Je suis d'ailleurs actuellement en train de faire une petite vidéo, donc tu pourras voir ce que ça donne, soit sur le forum La Planète CB Francophone ou sur le groupe Facebook du même nom. Voilà, La Planète CB Francophone. Donc le temps de travailler ça, tu pourras voir ce que ça donne là là au QRA. Ben, ça passe quand même relativement bien, surtout que Lille, ça fait un moment que j'ai pas entendu de ce côté-là. Retour à toi, la ville de Lille. C'est pas Philippe, hein, c'est Francis. Alpha, novembre, Salindio. Oui, je suis à côté de Lille, hein. Je suis à 7 km. Hein. La ville s'appelle encore Oscar. Et moi qui lui dis que j'entends bien. Là. Désolé, j'ai la langue qui a fourchu, il reste avec. Ok Francis, il n'y a pas de problème. Là, j'ai sur la fin, la propague a descendu un petit peu, mais il n'y a aucun problème Francis. Hein. Là, je t'entends bien là de mon côté. Et pour les conditions de trafic, là de mon côté, c'est un petit... Là, je suis en fixe, hein, par contre, là pour moi. C'est vrai qu'habituellement, les QSO, je préfère les faire en mobile. Mais aujourd'hui, je suis en repos, donc au QRA. Alors pour les conditions de trafic, c'est un Yazu FT450AT avec une antenne Mantova 8 qui est perchée à 9 mètres du sol. Donc je suis, et pour le QRA, je suis à 12 km à l'est de Saint-Émilion et 5 km au nord-ouest de Castillon-la-Bataille. Voilà, d'un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe. Et pas des mieux placés en plus. Comme quoi, quand la propague est là, ben peu importe le QTH, ça passe quand même. Retour Francis. Ok, ciao. Ok, la propague est en train de descendre là. On dirait que là on touche à la fin du QSO. Dernier passage là, pour voir si ça se confirme. Retour Francis. Ouais, j'ai à peu près compris. J'ai de la moustache là, qui m'arrive à Santiago 9, là autour de ça, de mon côté. Là, c'est devenu vraiment difficile là pour continuer les QSO. Ben, c'est pas grave. On va continuer à profiter de la propague, faire d'autres QSO.
Merci Francis, merci Philippot. Pour ce QSO, mais là, je suis complètement moustaché de mon côté, la propague aussi descendue là de votre côté. En ce qui me concerne, là ici, là sur le QTH. Donc les bonnes sont 1351 à vous. Merci pour ce QSO et à très bientôt, à la prochaine sur les ondes. Merci, bye bye à vous. 57, Rémi, vous passez à 57 ici dans l'île. Hop là, là, c'est bon, là apparemment ça a l'air d'aller. Hein. Le cul, la moustache a baissé de mon côté, je t'entends beaucoup mieux. Là. D'un seul coup, c'est passé une radio de 5, alors que juste avant, c'était plutôt radio 2. De Léon, c'est ça, René, de Léon. Hop là, apparemment t'as dû reprendre le micro avant que je relâche, et du coup j'ai eu que la moitié du message. Retour du micro, désolé. Ah la vache, là ce coup-ci c'est en train de replonger à nouveau. J'ai pas compris si j'ai bien compris, il y a une question qui m'était posée. J'ai pas compris la question, retour de micro. Ok, ben moi c'est pareil, c'est en train de... Je vais faire les éléments, il y a un moustache par contre, elle est toujours revenue, la plein pont de mon côté. Les bosses sont très séquentées à vous, mais bien sûr, les bosses sont très séquentées, on va part de 14, le Delta Romeo 33, l'opérateur Rémi, on fixe sur le sud-ouest de France, et qui passe QRT, merci à vous. Sur le groupe Ligue Plaisir 80, comme tu le sais, pour aussi faire voir aux internautes qui ne
avec une bonne radio et puis qui essaye en tout cas aussi pas dessus sur toi actuellement au niveau radio, mais c'est pas si récent que ça, ça tend toujours et puis ça passe dans d'excellentes conditions parce que vraiment on propose, elle est vraiment excellente et vraiment puissante là actuellement, il va falloir bien en profiter Rémi. Voilà Rémi, il n'y a pas de souci pour les vidéos, de toute façon il faut qu'elle est finie, donc elle dure depuis là actuellement 4 minutes 20 secondes actuellement, donc elle sera en 4K la vidéo, donc elle va être un petit peu plus longue que prévu, mais c'est une vidéo que je suis en train de faire pour pouvoir tester le téléphone, après si je peux je réduirai le format vidéo en Full HD normal pour que le format soit un peu moins grand au niveau du fichier, hein, voilà. Bon Rémi, je vais te retourner les bons chiffres, les bonnes amitiés et super content de t'avoir contacté parce que le premier contact que je fais c'est actuellement le tien. Donc les bonnes salutations à toi Rémi de l'opérateur Jean-Laure 80 et c'est toujours au plaisir Dundee, hein, toujours au plaisir de se recontacter. Bonne 73 à toi, les bonnes amitiés et je te souhaite la bonne après-midi, le bon DX. Ok, merci, ça fait un grand plaisir justement de t'avoir en fréquence. Et... c'est vrai que là, je passe souvent, mais c'est que j'en perds mes mots. Tellement que je suis content là, de profiter de la campagne et tout ça. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, un autre problème. À chaque fois qu'un contact est là, c'est comme du renouvellement en ce qui est concerne. C'est tout simplement génial. Les bosses sont très 51 toi, je te tiens pas plus, je redescends un peu sur le 555 et profiter aussi de la campagne. Donc les bosses sont prêts à toi, profite bien du cuisson, bonne journée, merci beaucoup. Et je guette ta vidéo sur YouTube pour après la travailler avec la mienne. Merci, bye bye. Ok Rémi, bye bye, merci, t'inquiète pas, la vidéo sera postée dans la journée, voire dans l'après-midi. Hein. T'inquiète pas, ça sera fait. Au pire, si ce n'est pas fait, je te tiens au courant par messenger privé. 73 à toi Rémi, les bonnes amitiés, super content aussi de t'avoir entendu. Ok, ça marche, donc je garderai la mienne en attente. Oui, attention à la ville de Beaufort pour le sud-ouest France, département 33. Oui, le département 33 et 73. Ici, 14 et Forest, 2646. L'opérateur est Richard et la ville de Belfort. Pouvez-vous revenir sur votre indicatif et votre prénom d'opérateur ainsi que votre QTH. Ok, les bonnes 13-51 à vous, vite fait pour le report, donc c'est du 55-59 de mon côté, ça navigue. Donc les 73 de la part de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, sur le sud-ouest France, département 33, pas très loin de Saint-Émilion. Ok, bien reçu Rémi, ok, hein, pas de problème, bien reçu. Hein. Delta Romeo 33, opérateur Rémi, le département 33, il n'y a pas de problème, bien reçu. Hein. Ok, et bah ici, c'est Belfort, vous avez bien entendu, hein, c'est Belfort. De mon côté, il n'y a pas de problème. Ici, bon, bah, les conditions, Rémi, bah, sont à Nikon 7600, le micro d'origine, la puissance actuelle, je suis à la moitié du transfert, je suis à 50 watts. L'antenne est une bible de 3 éléments, pointée actuellement à... Ouh, elle est pointée à 260 degrés. Elle est pointée à 260 degrés actuellement, voilà. Et nous, dès que ça est pour l'heure, chez le président, tout ça à 35 mètres au niveau du sol, Rémi, retour.
Ok, merci pour le retour du micro. Eh bien, de mon côté, les conditions de trafic sont un petit Yazoo FT450AT, puissance du poste, et comme antenne, c'est une Sigma Mantova 8 perchée à 9 mètres du sol. Donc, pour ma part, là, je suis qu'en vertical. Et pour le QTH, c'est Sainte-Colombe, 12 km à l'est de Saint-Émilion. Donc voilà pour les conditions de trafic de mon côté, et pour le QTH et pour la météo, et bien c'est tempête de soleil avec une température de ça vient de monter tout à l'heure j'ai annoncé un OM 29 degrés, là ça vient de passer à 33 degrés. Donc cet après-midi ça promet. Il y a un problème, hein. C'est oui, vraiment du hasard. Le département est 33 degrés en température. Ok. Bah, ici, notre côté, pour l'instant, bah, je pense que c'est pas. Ouais, c'est tempête de ciel. Un petit peu devant notre côté. Température, bah, je peux pas vous les donner, mais je sais que il va faire chaud. Hein. Il va faire chaud sous Belfort. Voilà, Rémi, hein. Il n'y a pas de problème. Ça passe toujours avec très bonnes conditions. Voici un de 59 de mon côté. Hein. 59, radio 5, et si de 9, pourtant Rémi. Ok, j'ai un peu de moustache à derrière, là, d'un seul coup, on dirait que ça vient de l'AM ou de l'AFM. Votre indicatif me dit quelque chose. Vous ne serez pas sur Internet, des fois, à tout hasard, sur Facebook ou autre? Eh oui, en fait, tout à fait, Rémi, hein, c'est ça. Oh, ouais, je suis bien sur Facebook. Ok, eh bien, si je dis les 73 de la part de Dandy 33, ça doit te parler. Dit 33, mais bien sûr, il n'y a pas de problème, je regarde vos vidéos, hein. Excellente, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, ben, ça va être encore plus excellent car je suis en train d'en faire une. Là, c'est parti à nouveau pour une grosse vidéo. J'ai déjà fait là, une première partie là, tout à l'heure là, avec d'autres OM. Et rendu à 29 minutes, il faut que je relance la vidéo pour donner une suite. Donc là, ça va être encore à nouveau une maxi vidéo. Et ça passe vraiment bien là de mon côté. Hein. C'est vraiment QRO. C'est du téléphone, ouais, tout simplement. Ah, merci Rémi, hein. Il n'y a pas de problème. Ben, je regarde beaucoup vos vidéos. Hein. C'est excellent. Hein. Surtout félicitations hein, de réactiver un peu le 27 hein, parce que chez nous ici, sur le territoire de France. Le 27 est plutôt je fais ce que je mort, hein. Il est mort, hein. Il n'y a rien, c'est que de chier. Hein. Même le 19, il n'y a plus un chat dessus. Hein. Voilà, tant que sur le 5 de ce côté, hein, ou sur le 8, les convois exceptionnels encore, qui sont encore équipés de radio, mais notre côté 19, c'est RAS, le 27 c'était RAS, c'est même pas le 44 dans le temps, le 44 était vraiment pollué par nos amis de la France. C'est aussi pareil, RAS, hein. Il n'y a rien. Voilà pour les infos, Rémi. Ok, merci pour les infos. Alors, du côté des 40 canaux, ce qui se passe, c'est que sur le 19, les OM, visiblement, ils ont peur de prendre, ils ont peur du micro, tout simplement parce qu'ils sont derrière, ils sont en écoute. Hein. Pour la petite anecdote, à chaque fois quand je prends la route, assez souvent, je fais je balance une petite info routière sur le 19. Et suivant ce que c'est, eh bien, bizarrement, ça répond derrière. C'est excellent, quoi. Alors que juste avant ça, je n'avais absolument personne. Et dès qu'on leur qu'on donne une info qui va les toucher un peu plus, hop, ça réagit. Pour les autres, toujours sur les 40 canaux, bah, ils restent toute la journée sur leur canal habituel. Autrement dit, on pourrait leur retirer les 39 autres canaux qui ne verraient pas la différence. Bon, ben ça, c'est pas grave. Hein. C'est, on va dire qu'en BLU, on trouve un petit peu ce genre de comportement aussi. Là, c'est des clans, quoi, tout simplement. Sauf que là, sur les 40 canaux, eh bien, c'est bien souvent les mecs qui sont de la même entreprise et tout, qui sont sur leur canal habituel, et ainsi de suite. Bon, les convois exceptionnels, bon, ben évidemment, hein, eux, c'est particulier. Ils sont dessus pour travailler.
En faisant le tour des canaux, si on arrive, on arrive à trouver du monde. Mais l'idéal, c'est d'avoir le mode scan sur son poste. Et là, on s'aperçoit que, par moment, ça réagit. Mais il y a que comme ça qu'on le voit. Sinon, il faut faire des tours pour pouvoir trouver du monde. Et c'est pas toujours évident, quoi. Et en BLU, c'est sûr que quand la propague est pas là, ben là aussi, c'est les QSO locaux, ça ne passe pas par les fréquences d'appel. Les OM se retrouvent directement sur leur fréquence habituelle, même pour du petit local. Bon, ok, chacun voit midi à sa porte. Pour le 455, alors justement, j'observe en ce moment pas mal d'OM qui souhaitent redynamiser le 455. Alors, je crois qu'il va falloir faire une petite campagne de pub pour relancer le 455. Car il est vrai que quand la propague est là sur le 455, qui est normalement la fréquence d'appel des Alpha Tango, sur le 455, il n'y a plus personne. Et c'est bien dommage. Donc oui, il va falloir faire quelque chose là dans ce sens là pour redynamiser le 455. Retour de micro. Bien reçu pour toutes les infos. Ah ouais, ce serait pas mal, hein. Ce serait vraiment bien de remettre le 455. Là, je me rappelle, il y a une époque, il y avait plein de monde, là, sur le 455, hein, voilà, hein. Quand il y avait la propagation, on attendait nos amis de la France, hein, qui passaient, espagnols, tout ça, italiens. Et on avait les deux fréquences, c'est-à-dire qu'on avait le 455 et le 555, voilà, pour interchanger de notre côté. Il y avait aussi une autre fréquence que j'entends plus hein, aussi, c'est RAS, je ne sais pas si de l'autre côté toi aussi c'est pareil, c'est le 285. Le 26-285 aussi, c'était une fréquence qui était des X aussi. Je sais, je me rappelle, hein, j'ai lancé des appels sur le 26, c'était une fréquence qui était des X pour le 26. Et là, bah, c'est pareil, c'est idem, on ne l'entend plus rien non plus, c'est dommage, parce que là, c'est là qu'on pouvait faire aussi du X en 26 aussi, et des fois ça passait super culot. Ouais, je me souviens très bien de ça, parce que je suis sur les ondes là depuis 1982, et je ne crois pas beaucoup me tromper en disant que tout le monde a abandonné le 26 mégas. Il y a peut-être quelques irréductibles qui continuent à y aller, comme ça, pour faire vraiment du local, bien souvent à FM, mais autrement en DX, je ne suis pas convaincu, c'est vrai que pour ma part, j'y vais plus non plus, hein. Donc je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup d'appels dessus. Il faudra que je descende y faire un tour. Oui, il faudra que j'y retourne pour voir ça, mais je suis pas sûr que je vais entendre grand monde. Bon, en tout cas, pour le 455, il va falloir faire quelque chose, une affiche, une image, quelque chose, et puis le rebooster à nouveau, trouver les bons arguments pour le relancer, quoi. Tout à fait, voilà, il faudrait faire une sorte de. Oui, faire une vidéo, ouais, faire une petite vidéo, retrouver une archive audio, c'est derrière, puis faire écouter ce qu'il y avait sur le 455, voilà, dans le temps. Comme ça a passé, il y avait nos amis de la France, l'Espagne, le Portugal, ça nous dit, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, hein, ça a passé, hein, c'était excellent. Hein. Je sais que. Il y avait du monde, ce serait bien de faire cette petite pub là pour essayer de faire rebooster ce petit 455, c'est pas mal. Voilà, dans ton numéro des stations sur le 455, ce serait vraiment remonter un peu dans l'histoire de la 6e bande dans les années 80, 90. Voilà pour les infos. Ok, ça marche, il n'y a pas de problème. On va lancer ça, on va faire le possible sur les différents groupes Facebook là pour inciter les gens à relancer des appels à nouveau sur le 27455. Parce que c'est vrai que le problème, c'est qu'à une certaine époque, le 455 a été vu, non, le 555 a été victime de son succès, et du coup, ça a complètement vidé le 455. C'est bien dommage, mais ouais, c'est vrai que tu as raison. Et vu les messages sur Internet, il est plus que temps là qu'on le relance.
Je suis en train de regarder l'heure. Je vais passer QRT. Ouais, il est déjà 11h10 là de mon côté. Je vais passer QRT. Je vais voir. J'ai un petit peu du mal à lâcher la fréquence. Je vais retourner voir là sur le 555 s'il y a encore un peu de propag. Je veux dire du côté des départements français parce que la propag est toujours là hein, de toute façon hein, suivant les QTH. Et puis si ça a rechuté, ce qui n'a pas l'air d'être trop le cas vu comment tu m'arrives de mon côté, si malgré tout ça a rechuté, là j'ai d'autres occupations à faire, commencer à préparer cette vidéo. J'ai la vidéo d'un OM à attendre aussi là sur Facebook. Je voudrais mettre en superposition de la mienne et jouer un petit peu avec les passages de micro, de basculer d'un côté et de l'autre. Ce genre de truc là, c'est assez bien sympa à faire. Et puis voilà quoi. Donc je te remercie pour ce QSO. Donc dès que la vidéo est prête, de toute façon tu la verras arriver. Hachi trois coups. Et bon gastro pour tout à l'heure. Et à très bientôt sur les ondes, sinon sur via internet. Ok Rémi, y'a pas de problème, hein. Bien reçu, hein. Bien reçu. Merci de m'avoir répondu, Rémi, ça m'a fait plaisir de t'entendre, voilà. Avec évidemment l'audio, voilà. Je te vois sur Facebook ou sur YouTube, mais là, je t'entends sur la radio, donc c'est bien, y'a pas de problème. Très 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 sympa, y'a pas de problème, ouais. Ok, bah, les 73, les 212 QR respectifs, le 14 Israël 2646, opérateur Richard, le pilage de la ville de Belfort, et le petit Lyon Belfort, je te salue bien. Bye bye. Ok, merci. Donc là, sur le dernier passage, Santiago 9, 9 plus 10. Voilà, les bottes 73-51 Richard de la part de Rémi. Voilà, et bon contact, bon QSO, profite bien de la propague. Merci, bye bye. Merci Rémi, il n'y a pas de problème, bye bye. C'est ça la radio, c'est magique. J'arrive pas à lâcher le micro. Oui, 73-51 à vous, de la part de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, QTH Sud-Ouest France, le département de la Gironde. CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en fixe sur le sud-ouest France, département de la Gironde. CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en fixe sur le sud-ouest France, département de la Gironde, et qui vous propose un QSY sur le 27-445. 27-445. CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en fixe sur le sud-ouest France, département de la Gironde. Unidad 7-1 transmite su
je suis là de toi. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33, qui l'on s'appelle, en fixe depuis le sud-ouest de France, le département 33. Ok, MacGyver, les bosses sont 13-51, toi, de la part de Dundee 33, QTH Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Affirmatif, c'est une radio de 4, Santiago de 5. Donc oui, ça passe bien là de mon côté sur Sainte-Colombe. Ah, j'ai pas mal de bruit là derrière, donc par moment ça a tendance à te couvrir. Là, j'ai pas réussi à comprendre le QTH. Département 02, c'est ça? Ah zut, là t'es un petit peu couvert. Là, tout à l'heure, il y a eu un passage là où tu m'arrivais très très bien, avec une bonne radio de 4, radio 5, Santiago 5. Mais de temps en temps, là, il y a une balise là qui passe là de mon côté, qui a tendance à te couvrir. Pour moi, c'est le département 33, secteur pas loin de Saint-Émilion. Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, sur le département 33. J'ai pas compris ton QTH. Ok, c'est bien ça, département 02. Eh ben dis donc, la propagation est vraiment partout parce que, ok, je vois où il est le département 02. Effectivement, c'est quand même pas mal. Surtout là, comme ça, c'est le 19 en AM. Oui, la station pour le département 33, les mains sont 13-51 à vous de la part de Dundee 33 en fixe sur Sainte-Colombe à côté de Saint-Émilion. Oui, affirmatif, je t'entends, il n'y a pas de problème. Oui, la station du département 33 pour Dundee 33, il n'y a pas de problème, je t'entends. Ah la vache, il y a énormément de surmodulation là de mon côté, là c'est pas évident du tout, il y a une propague d'enfer en BLU, ça arrive de tous les côtés là, ça arrive de toute l'Europe, des départements français, ici en AM c'est pas mal non plus, ça arrive de tous les côtés. Hein. Département 02, que j'ai eu tout à l'heure sur le 19, il est quand même tout là-haut, là, dans le nord de France. Donc quand la propague est là, même sur le 19, ça passe quand même. Hein. Il y a des appels derrière. Ouais. Oui, station fréquence, et bonsoir 13-51 à vous de la part de Dundee 33, QTH Sainte-Colombe, département 33.
Ok, le Var. Eh bien, donc, la propague est vraiment partout, hein, puisque même en BLU, là, ça arrive de tous les côtés, toute l'Europe, les départements français. Et là, sur le 19, là, c'est pareil, hein, ça arrive de tous les côtés. Les 73-51, le Var, de la part de Dandy 33, 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en fixe sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Ok, je pense avoir compris. Ok, c'est parti. Ok, si j'ai bien compris, ça doit être le canal 15, 27-135. Ok, la station pour Dundee 33, QT, du département 33, est-ce que tu es là? Bah, si tu m'entends, il y a énormément de surmodulation là de mon côté. Je suis désolé, j'arrive pas à te sortir. Je retourne sur le canal 19. À moins que tu aies dit le 5, je vais faire un tour sur le canal 5 et je remonte aussitôt sur le 19. Ah ben, ça met pas la peine. Bon, attention, la station du Var, pour Dandy 33 qui lance appel. J'ai eu pas mal trop de surmodulation de mon côté, là j'ai pas compris. Hein. Bon ben c'est pas grave. Pour ceux qui m'entendent, des 113-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33, 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en fixe sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion, département 33. Bon QSO, bon contact, profitez bien de la journée. Merci, bye bye. Je retourne faire un petit tour en BLU. Car là-haut, c'est la cacophonie. Autant qu'ici d'ailleurs. Hachi. Merci, bye bye. J'arrive pas à le sentir. Bon, c'est pas grave, désolé. Je sais pas, alors
actuellement, on doit avoir 27 degrés, là, mais ça va monter jusqu'à au moins 30 degrés cet après-midi. On a un petit vent, là, ça fait du bien. Voilà. Et les conditions d'amusement, là, je suis sur une antenne verticale. Corosque, Lima, Lima, Alpha, Alpha, novembre, novembre. Il y a du monde partout. Sierra Bravo, ça module. Hein. On fait une fixette sur l'uniforme Sierra Bravo. Mais là, voici la preuve qu'en Lima Sierra Bravo, ça module pas mal aussi. Hein. Donc, bilan de la matinée. Il y a du monde partout. En AM, en USB, en LSB. La CB se porte bien.